Soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel Dieu. Alléluia. Vous avez fait la bonne part. Amen. D'être dans la maison de la bonne part. Alléluia. Sous l'onction du Saint-Esprit à l'œuvre. Alléluia. Je vous salue encore. Je suis très content de vous retrouver. Alléluia. Quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer dans la vie, il y a un objectif que Dieu nous a donné, c'est de nous battre pour la vie éternelle. Alléluia. Et aujourd'hui, si tu es là, il faut savoir que ce n'est pas parce que tu es mieux que les autres que tu es vivant. Amen. Mais c'est parce que ton histoire n'est pas terminée sur cette terre. Alléluia. Et personne ne peut arrêter ton histoire. Amen. Si ce n'est que l'éternel Dieu le seul. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des vies qui ont été écourtées. Parce que, amen, il y a des gens qui ont entendu l'évangile, malgré ce qu'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ. Mais toi, tu as le privilège encore, alléluia, de pouvoir te racheter pour pouvoir continuer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je voulais dire amen, alléluia. Je prends dans mon temps parce que maintenant, on n'a plus assez de temps. On est tellement au réglo que lorsque je termine, amen, pendant qu'on va préparer la salle pour le deuxième culte, je peux recevoir ceux qui nous visitent, alléluia, pour quelques minutes. Alléluia. Amen. Au bureau, amen. Ça, vous allez voir avec le protocole tout à l'heure quand on finit. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Ton amen, on dirait amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. 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 Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 26. Amen. Matthieu 26. Donc, je disais Matthieu 26, verset 30 à 39. Vous notez. Et le verset 42 à 54. Et le verset 56. Donc je reprends Matthieu 26, verset 30 à 39, le verset 42 à 54 et le verset 56. Alléluia. Amen. Donc je vais faire la lecture. La parole de Dieu déclare ceci au verset 30. Il dit, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Amen. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, c'est lui-même. Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Alléluia. Alléluia. Au verset 35, il dit, Pierre lui répondit, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Amen. Amen. Et tous les disciples disent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Au verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria. Ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 42 à 54, il dit, il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Verset 43, il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Alléluia. Amen. Amen. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche.
et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Lève-vous, allons, voici, celui qui me livre approche. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12 arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Amen. Et la Bible déclare encore, celui qui le livrait, pardon, au verset 49, aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et lui donna un baiser. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ces gens s'avancèrent, mit la main sur Jésus, et il le saisit. Alléluia. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main, et tira son épée, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta, amen, l'oreille. Alors, Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée, périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit être ainsi? Verset 56. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors, écoutez bien, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Alléluia. Je voudrais te parler aujourd'hui d'un élément. Lorsque le pasteur était en train de faire la modélation, elle a touché, elle a parlé de l'amour. Alléluia. Je veux te parler de l'amour de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ devait aller se faire crucifier, à 3 reprises, il s'est retrouvé en train de prier Dieu pour lui demander si c'était possible, amen, d'éloigner, amen, cet événement-là. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? En fin de compte, il a dit à Dieu que ta volonté soit faite. Amen. Mais quelque part dans le livre de Luc, la Bible dit quoi? Et même ici, la Bible dit qu'il était dans l'angoisse. Il était gagné par la peur. Et même les sueurs qui coulaient sur lui étaient comme des grumeaux de sang. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Que rien qu'à penser, rien qu'à voir l'image de sa crucifixion, avant même qu'il n'aille à la croix, amen, déjà, il était en train d'avoir peur. Il avait l'angoisse qui l'animait. Alléluia. Ce que ici le Saint-Esprit veut nous faire comprendre, amen, c'est que nous devons comprendre que l'amour que Jésus-Christ avait pour nous, jusqu'à ce qu'il accepte d'aller à la croix, amen, nous ne devons pas la négliger, homme-femme. Alléluia. Regardez, le thème c'est l'amour de Jésus-Christ plus grand que tout. Le thème, tu peux noter, l'amour de Jésus-Christ plus grand que tout. Pourquoi l'amour de Jésus-Christ est plus grand que tout? Amen. Je suppose que, amen, il y a des personnes qui ont déjà connu les déceptions. Tu as rencontré un homme qui t'a juré tous ses dieux. Et même il a pris le nom de l'éternel Dieu pour te dire que vous n'allez jamais vous séparer. Alléluia. Amen. Mais amen, il a brisé ton cœur. Amen. Il y a des femmes aussi qui ont brisé le cœur de certaines personnes. Alléluia. C'est simplement pour nous expliquer quoi. Amen. Quand je parle de l'amour de Jésus-Christ est plus grand que tout, le tout ici, amen, amen, c'est un adjectif indéfini. Alléluia. Qui, amen, a pour explication et qui signifie entièrement. Amen. Alléluia. Donc c'est pour dire quoi? Pour dire que si tu avais une conception de l'amour que le monde nous présente, il faut te raviser. Alléluia. Amen. Il faut te raviser. Change, amen. Parce que ton père peut t'aimer. Ta maman peut t'aimer. Mais ils sont limités dans leur amour. Ton enfant peut t'aimer. Il peut être limité dans son amour. Alléluia. Mais je veux te parler de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. S'il vous plaît. Pendant que, amen, il était dans le jardin de Gethsemane, amen, il voyait un film. Amen. Attendez, c'est... Il voyait le film de sa mort. Alléluia. Mais quand il s'est rappelé de la mission pour laquelle il est descendu sur terre, alléluia, il dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen.
pourquoi. Amen. Je vais seulement te dire que lorsque nous prenons le livre de Jean 5, versets 42 à 44, amen. Amen. Nous voulons aussi expliquer à chacun de nous, amen, que véritablement, il faut t'accrocher à l'amour que Jésus-Christ te présente aujourd'hui. Amen. C'est vrai que tu dis que tu connais Jésus. C'est vrai que, amen, parmi nous, il y a d'autres qui disent qu'ils marchent avec Jésus. Mais est-ce que vraiment, amen, nous prenons la mesure de l'amour de Jésus-Christ? Au verset 42, il dit, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Il parle de ceux qui voulaient lui faire du mal. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Alléluia. Verset 44, il dit quoi? Comment pouvez-vous croire? Vous qui tirez votre gloire, écoutez-moi bien, les uns des autres, et qui ne cherchent point la gloire qui vient de Dieu seul. Pour dire quoi? L'amour qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Jean 5, verset 42 à 44. C'est ce que j'avais dit. L'amour qui vient du monde. Alléluia. Amen. C'est un amour, alléluia, qui est basé sur le péché. Pourquoi? Parce que, amen, quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme pécheur. Il a créé, alléluia, en tant qu'homme qui est animé d'amour. Est-ce que quelqu'un, alléluia, qui est rempli de l'amour de Dieu. Amen. Mais lorsque le diable est venu faire tomber les premiers hommes, Adam et Ève, alléluia, amen, à la place de l'amour, il a mis, amen, alléluia, l'amour qui est appelé l'égoïsme. Les hommes sont égoïstes. Ils sont égocentriques. Quand quelqu'un t'aide aujourd'hui, amen, il veut que tu fasses la courbette tous les jours. Il veut que tous les jours, amen, tu mets un affichage pour dire, ah, hey, t'es m'a aidé. Amen. L'homme, quand il t'aide aujourd'hui, il attend toujours un retour. Amen. Que tu cites son nom partout. Alléluia. Même souvent, tu es avec ton mari. Vous avez fait 10 ans, 20 ans de mariage. Alléluia. Il va te rappeler ce qu'il a fait pour toi. Je te fais sortir de la main, toi. Tu t'es devenu villageoise comme ça. Alléluia. Amen. Ou bien dire à son mari, attends, tu n'étais rien. Tu marchais avec des sandales. Tu m'as rencontré. Et ce jour-là, qu'est-ce qui n'est pas arrivé dans ta vie? Ouais, il faut dire à quelqu'un, l'homme ne fait pas exprès, il faut lui dire. Vous savez pourquoi? Parce que, amen, nous sommes animés, alléluia. Amen, amen, d'un amour mitigé. Alléluia. Il y a des gens qui t'ont fait comprendre qu'ils ne vont jamais te trahir. Il y a des gens, amen, même dans leur love, on sait qu'on appelle love, big love, amen. Ils sont dedans, amen, ils se font des récitations, amen. Souvent même tu entends dans le big love des gens, dans le monde, amen, alléluia. Vous entendez des poésies, amen, interminables. Alléluia. Mais faites un an seulement dans copain-copinage. Il te parle comme si ce n'est pas le monsieur qui t'a dragué avec une poésie. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, ne regarde pas Big Love. Faut lui dire. C'est amour incertain. Alléluia. Je veux simplement te parler de l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. L'amour de Jésus-Christ, alléluia, elle est insoupçonnable. Regardez, trois fois, amen, trois fois, quand il allait prier, c'était tellement dur. Satan lui dit, hé, mais tu vas te donner pour ces personnes-là. Tu vas te donner pour ces féticheurs-là, ces menteurs, ces impudiques. Jésus a regardé et il a dit à l'Éternel, que ta volonté soit faite. Alléluia. L'amour de Jésus-Christ, c'est quoi? Jean verset 16 1 Jean 4, amen, 1 Jean 4, amen, le verset 16 et le verset 19, amen. Je vais te parler de l'amour, amen. Oh alléluia, oh alléluia, merci Père, alléluia. Donc souviens-toi que l'amour du monde est recherché, est surtout basé, pardon, je voulais dire, le Saint-Esprit veut que je parle de ça, l'amour du monde est basé sur la gloire personnelle. Amen, la gloire personnelle. Tu as vu, non? Cette soeur-là, tu as vu comment elle a habillé là? Voilà. C'est moi qui lui ai donné l'inspiration. Tu as vu comment le monsieur est habillé maintenant? Il est bien propre. C'est moi. Je l'ai envoyé au magasin. Bon, nous sommes allés au magasin ensemble. Alléluia. Alléluia. C'est la gloire personnelle. Amen. La femme, là, j'ai été m'aimée. Elle m'a trahi. Tant, 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 tant
Mais elle t'a trahi, c'est normal pourquoi? Parce que, amen, elle t'a trahi, c'est normal pourquoi? Parce que, amen, c'est ta gloire personnelle que tu recherches. C'est pas l'amour que Dieu nous communique. L'amour que Dieu nous communique, amen, alléluia. Et il a une autre, amen, il a une autre pensée, alléluia. Amen. La Bible dit quoi? 1 Jean 4, au verset 16 et au verset 19, il dit, regardez, et nous avons connu l'amour. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous avons cru. Amen. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et demeure en lui. Amen. Pourquoi l'amour du Seigneur Jésus-Christ est plus grand que tout? Alléluia. L'amour, alléluia, c'est la beauté de l'éternel Dieu. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que dès le départ, amen, le mot amour est une expression qui vient de l'éternel Dieu. Amen. Amen. Mais elle a perdu son sens à cause du péché de Adam et Ève. Sinon, l'amour, écoute-moi bien, note, c'est la beauté. Quelqu'un me dit l'amour de Dieu, c'est la beauté. C'est la beauté de l'éternel Dieu qu'il a transmis à l'homme en le créant à son image. Alléluia. C'est ça l'amour. L'amour, amen, quand tu entends parler du vrai amour, c'est la beauté de l'éternel Dieu. Il dit, et Dieu créa l'homme à son image. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quand Dieu te crée à son image, il faut savoir qu'amen, c'est sa beauté qu'il met en toi et en moi. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Amen. C'est pour cela que tu ne peux pas. Et aujourd'hui, change ton langage. Tu ne peux pas détester ton voisin, ton prochain. Pourquoi? Parce qu'il est l'image, il est la beauté de l'éternel Dieu. Même si tu as fait du mal. Est-ce que quelqu'un est là? L'église de Jésus-Christ est là pour ramener l'homme à son état normal. Alléluia. Amen. Regarde encore. L'amour. Il dit quoi en Jean 3, 16? Jean 3, 16, il dit quoi? Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais la vie éternelle. Amen. Je veux seulement te dire une chose par le Saint-Esprit. Que l'amour, c'est l'expression de l'élan du cœur. Oh, alléluia. De l'éternel Dieu envers sa créature, les hommes. L'élan du cœur. C'est quoi l'élan du cœur? Alléluia. L'élan du cœur de l'éternel Dieu, c'est le mouvement de son cœur. Alléluia. Amen. De bonté envers les hommes. Le mouvement. Quelqu'un peut dire le mouvement du cœur de l'éternel Dieu. Le mouvement du cœur. Je ne t'entends pas parler. Le mouvement du cœur de l'éternel Dieu. Le mouvement du cœur de l'éternel Dieu. Est descendu vers moi. Est descendu vers dans la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus. Oui. Il dit Dieu a tant aimé le monde. Écoutez. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, pardon. Amen. C'est la beauté de l'éternel Dieu. Amen. C'est l'image. Tu peux écrire. C'est l'image. C'est l'image que Jésus-Christ, amen, nous présente. Amen. Alléluia, l'image. Quand on te parle de l'amour de Jésus-Christ, est plus que tout. Amen. Il faut savoir que dans Jésus-Christ, amen, tu as l'image même de l'amour. Alléluia. C'est pour cela que ceux qui sont dans la religion, ils n'arrivent pas à comprendre que Jésus-Christ dit, si vous me frappez, si on te frappe sur tel jour, donne tel autre jour. Il y a d'autres qui ne comprennent pas ça. Amen. Mais, comment ça? Alléluia. Moi, j'ai vu des gens qui partent des religions. C'est ça que le Saint-Esprit a pris pour les convertis. Alléluia. Oui. Alléluia. Alléluia. Le nom du cœur. Amen. Envers sa créature, les hommes. Et le Seigneur Jésus-Christ est l'image parfaite. Cette expression, amen, qu'il communique aux hommes. Donc tu dois comprendre que Jésus-Christ ne pouvait plus reculer lorsqu'il s'est retrouvé dans le jardin à Gethsemane. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ sait que, amen, il a une mission pour te sauver, toi et moi. Il a une mission de te communiquer, alléluia, l'amour que tu as perdu de ton prochain, alléluia. Jésus-Christ a accepté d'aller jusqu'au bout de son sacrifice.
Alléluia. Il y a des gens qui ne comprennent pas que, amen, nous les chrétiens, par exemple, amen, souvent, on donne de l'amour. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Amen. Amen. Il y a des gens, par exemple, ils voient que nous donnons de l'amour à des sorciers, à des gens. Moi, je vous fais un témoignage comme ça, amen. Alléluia. Comme ça, il y a une dame qui, pour qui je priais, m'a dit, papa, avec tout ce que j'ai fait là, franchement, je ne crois pas que Dieu peut me pardonner. Mais quand j'ai commencé à rigoler, j'ai dit, ma fille, moi là, qui t'écoute là, ça fait près de combien d'années je prie pour des gens? J'ai prié même pour des gens qui ont assassiné. Donc, elle dit, ah bon? Il dit, oui. Donc, elle a commencé à avoir de l'espoir. Alléluia. Et quand nous avons commencé à prier, Dieu l'a libéré. Amen, amen. Comme c'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un en face de toi, qu'il entend, amen, une bonne nouvelle, alléluia, son cœur se dispose. Alléluia. Je voudrais aussi te dire une chose. En Colossiens 3, verset 13, la Bible nous dit quoi? Amen. Quand on parle de l'amour de Jésus-Christ qui est plus grand que tout amour. Amen. Amen. La Bible nous exprime aussi quelque chose de particulier. Colossiens 3, verset 13, il dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Quand tu viens en Christ, quand tu donnes ta vie en Christ, c'est là que tu expérimentes le vrai pardon. Est-ce qu'ils sont là, là? Alléluia. Parce que, amen, je suis l'exemple type même. Alléluia. Puisque je prie pour beaucoup de personnes. J'ai prié, amen, je ne sais plus combien de personnes. Alléluia, dans les délivrances, c'est autre. Amen. Amen. Il y a des personnes, il y a des femmes qui ont fait des avortements, mais pas possible. Les deux même, c'est comme bonjour. Alléluia. Mais quand Dieu t'explique le pourquoi tu t'es retrouvé là-dedans, alléluia, là tu comprends que, ah, vraiment, ce n'était pas de ma faute. Oui. Parce que quand le diable te pousse dans le péché, amen, alléluia, il te culpabilise. Ça, c'est son amour, ça. Faut dire, je ne veux pas de cet amour. Je ne t'entends pas parler, alléluia. Il te culpabilise. Il te fait comprendre que toi, là, c'est terminé. Tu es foutu. Amen. Amen. Surtout quand c'est une femme, ou bien une femme qui n'arrive pas à avoir des enfants. Il vient nous dire, voilà, tes avortements que tu as fait là-bas. Alléluia. Or que, dans la réalité, c'est lui qui est le coupable. C'est lui qui pousse les hommes et les femmes. Amen. À pratiquer l'avortement. C'est lui qui pousse les hommes et les femmes à pratiquer tout ce qui est impudique. Alléluia. Mais je veux te dire une chose. Amen. Ici, il dit quoi? Il nous a dit que nous devons pardonner. Pardonner. Le mot pardonner, c'est important. Dans l'amour. Parce que la Bible dit quoi? Amen. Que Christ est venu se donner. Et Christ est venu nous réconcilier avec l'éternel Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, quand tu regardes dans 2 Corinthiens 17, alléluia. Oui, Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. Pourquoi on parle de réconciliation? Celui qui t'a créé, amen. Quand tu pèches, alléluia, il y a une séparation entre vous. Suis-moi. Entends, écoute la parole de Dieu. Alléluia. Il y a une séparation, amen. Donc, Christ lui vient, amen, pour nous réconcilier. C'est pour cela que son amour est plus grand que tout. Personne ne peut égaler son amour. Personne ne peut égaler son amour. Alléluia. Je veux te dire aussi une chose. En Jésus-Christ, vous avez l'amour de Dieu qui pardonne toutes les fautes impardonnables aux yeux des hommes. Est-ce que vous comprenez là? Est-ce que vous comprenez? L'amour de Jésus-Christ au-dessus de tout, pourquoi? Parce que, amen, l'amour que Jésus-Christ nous communique est un amour qui, amen, pardonne l'impardonnable, je précise bien, aux yeux des hommes. Parce que les hommes souvent, amen, vous entendez ça souvent, même d'ailleurs, même il y a d'autres qui disent ça. Ce qu'elle a fait, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Hey! Comment me voler mon 10 euros comme ça? C'est impardonnable. C'est impardonnable à cause de 10 euros. Toi, tu dis que tu ne pardonnes pas. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Ou bien on te raconte une histoire. Oui, sa copine elle est sortie avec le mari de sa meilleure amie. Et puis toi, tu as téléphone. Ça, c'est impardonnable. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ, quand il vient, avec lui, tout est pardonnable. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, quand il vient dans ta vie, amen, tout est pardonnable. Enlève ce langage de ta
tu n'es pas quelqu'un du monde. En disant non, c'est impardonnable toi si tu suis à la queue de l'honneur des gens du monde. Non! Tout est pardonnable sur cette terre. Ça souffre le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est tout. Sinon, amen. Amen. S'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais péché, lève la main. Bon, ok, tu ne vas pas lever. Parce que si tu lèves là, ça va rester là-haut. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Là, même on a fini de prier. Alléluia. Tu peux même glisser par ta main. Dis quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu. Oui, parce qu'on est fait de chair. Est-ce que quelqu'un là dit j'aime l'amour de Jésus-Christ? Dis, quelqu'un peut dire je veux posséder l'amour de Jésus-Christ. C'est ton droit, s'il vous plaît. C'est votre droit de posséder l'amour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne comprennent pas comment nous on arrive à aimer les gens. Amen. Oui, attendez. Moi je rencontre même souvent des sorciers, on est face à face. Pendant que tu es en train de lui expliquer que non, je vais prier pour toi, il t'attaque. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. Amen. Amen. Des gens même qui essaient de m'attaquer tout le temps, même, je m'assois avec eux, puis je parle, je leur donne des conseils. Le dernier sorcier que j'avais rencontré, amen, c'est une sorcière. Je lui ai donné, je lui ai communiqué la sagesse de Dieu. Elle m'a salué comme ça, dit, ah, tu es un grand. Et dit, sorcier, si tu pouvais savoir que c'était pour ton salut. Alléluia. Vous devez comprendre, amen. L'amour, amen. Si vous n'avez pas l'amour, amen, de Jésus-Christ en vous, il y a beaucoup de portes qui ne vont pas s'ouvrir devant vous. Est-ce qu'ils sont là dans ce... Il y a beaucoup de portes qui ne s'ouvriront pas devant vous. Parce qu'il y a des choses que Dieu va vous demander de faire. Que, amen, si vous n'avez pas l'amour de Jésus-Christ en vous, vous ne pourrez pas le faire et votre vie va être bloquée. Vous, les femmes qui n'êtes pas mariées, mais les hommes. Alléluia. Bonne fête, les mamans. Les futures mamans aussi. Alléluia. Alléluia. Mais je voudrais vous dire une chose. Amen. Si vous voulez avoir le succès, quand on parle de succès, c'est quoi? C'est pas être milliardaire. Parce que même les milliardaires ne dorment pas bien. Il y a toujours quelque chose qui leur manque. Mais quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, quand tu as l'amour de Jésus-Christ en toi, le succès est à ta portée. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Oui, je vais te dire une chose. C'est pour cela que, merci Saint-Esprit de me dire, je te dis, c'est pour cela que la mort n'a pas pu le vaincre. Quand Jésus-Christ est rentré dans le tombeau, alléluia, Satan l'a regardé et dit, ah, Seigneur, c'est pas ta place ici. Prends la clé, vas-y, allez, vas-y, bon, alléluia. Il est ressuscité le troisième jour. Amen. Pourquoi? Parce que son amour était trop fort. Amen. Satan même était, il était, ça, pour la première fois, Satan même l'a admiré. Est-ce qu'il comprend? La première fois où Satan a admiré Jésus, alléluia, c'est quand, alléluia, amen, il a vu que Jésus allait jusqu'à la croix. Amen. Parce que Satan lui se disait, non, les hommes sont sous mon contrôle. Tu comprends? Amen. Mais il ne comprenait pas. Mais quand il a vu Jésus aller jusqu'au bout, quelques secondes, il a dit, ouais, non. C'est comme ça. Et après, il a commencé à le détester. Alléluia. Je vais te dire une chose, amen. En Jésus-Christ, alléluia. Nous avons l'amour qui excuse tout. Amen. 1 Corinthiens 13, verset 7. Luc 23, verset 34. Alléluia. En Jésus-Christ, vous avez l'amour, amen, qui excuse tout. Quand Christ a été crucifié, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Quand tu veux pardonner quelqu'un, il faut utiliser ce verset-là. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi, quand je prie pour des gens, la partie la plus compliquée, c'est où on dit de pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Alléluia. J'entends les gens, ah, non, j'ai pardonné, non, j'ai rien dans mon cœur. Je dis, tu es sûr. Maintenant, je dis, bon, quand tu entends le nom de la personne, est-ce que ça ne fait pas quelque chose dans ton cœur? Oui, ça me fait un bizarre dans mon cœur. Il dit, voilà. Donc, tu n'as pas encore pardonné. Ah bon, donc c'est ça, il dit, oui. Mais quand on commence à prier, la personne commence à vomir. Waouh! Quand elle dit, qu'on n'est pas, waouh! Et pas, waouh! Donc, je ne l'aimais pas comme ça. Oui, tu ne l'aimais pas. Alléluia. Mais si tu ne veux pas que la colère reste dans ton cœur, si tu veux aimer comme Jésus-Christ a aimé, dis à quelqu'un qui t'a fait du mal, pendant que tu es en train de prier, Père, pardonne-la, pardonne-lui, pardonne-le. Choisis tes mots. Alléluia. Alléluia. C'est qui est-ce qui doit être pardonné? Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, c'est très important que tu comprennes que, amen, quand tu
t'attaches à l'amour de Dieu, alléluia. Amen. Marc 12, verset 31, amen. Pourquoi tu dois t'attacher à l'amour de Jésus-Christ? Écoutez, si tu ne t'attaches pas à l'amour de Jésus-Christ, alléluia, il faut qu'on soit clair, amen. Pour t'en sortir, ça sera difficile. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre ici, là? Est-ce que quelqu'un m'écoute, là? Ça sera difficile, alléluia. Amen. Marc 12, au verset 31, alléluia. Regardez ce qu'il dit, amen. Amen. Marc 12, au verset 31, merci Saint-Esprit, alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as décidé de prendre l'amour de Jésus-Christ pour toi? Amen. À toi, amen, on dirait amen. Amen. Alléluia. Au verset 31, regarde ce qu'il dit. Il dit, voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas, écoutez bien, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de plus grand commandement dans la Bible, même dans la loi que Dieu donne. Alléluia. Si ce n'est que cette parole-là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais comment je peux aimer quelqu'un qui me fait du mal? Amen. Les gens ont crucifié Christ et puis il est sur la croix et dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. C'est ça, aimer son prochain. Comprendre que, amen, ce qu'il t'a fait comme mal, amen, c'est parce qu'il est poussé par le diable. Si tu as compris ça, amen, tu n'auras plus de problème de cœur. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Parce que tu ne peux pas être en amour avec quelqu'un, en big love. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un dans une amitié de fidélité, amen, et puis la personne te trahisse sans que ce ne soit le diable. Non. Amen. Dieu n'est pas dans les divisions. Dieu peut être dans une séparation, ça c'est vrai. Alléluia. Mais dans une division, Dieu n'est pas dedans. Est-ce que quelqu'un a? S'attacher à l'amour que le Seigneur Jésus-Christ dispose pour toi et moi, c'est accomplir toute la loi de la parole de l'Éternel Dieu, qui se résume à une seule chose. Aime ton prochain. Parce que si on veut appliquer toute la loi, alléluia, on ne va pas trop s'en sortir. Mais quand tu aimes ton prochain, alléluia, tu peux dérouler toute la loi. Quelqu'un là? Oui. Alléluia. Donc, pour terminer, ce que je veux te dire, peuple de Dieu, aujourd'hui, Christ veut que tu comprennes. Il y a quelques personnes qui vont dire, oui, moi j'aime Dieu, on a compris. Mais souvent, ton amour est tellement limité que Dieu ne te reconnaît pas. Est-ce que quelqu'un là? Tu as des réactions, souvent même Dieu, on ne te reconnaît plus. On ne sait même pas si tu es chrétien. Même dans ta famille, on ne donne pas de bon témoignage de toi. Pour quelqu'un qui m'écoute pour la première fois, pour quelqu'un qui entend ces paroles pour la première fois, il faut que tu comprennes qu'amen, la clé de ton succès, la clé de ta délivrance, amen, c'est de pardonner. Parce que demain, quand on va te révéler que c'est telle personne qui est à la base de ton problème, amen, il ne faut pas te lever pour dire oui, comme ma mère a fait ça, comme mon père il a fait ça, comme mon voisin, ou bien tel ami, je l'aimais tant. Amen. Parce que souvent, quand nous on prie, on le voit. C'est clair, on le voit. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont à la base de nos problèmes. Des gens à qui on a fait confiance. Est-ce que quelqu'un là? Oui. Mais quand Dieu te révèle ça, ce n'est pas de prendre machette contre la personne. C'est de pardonner pour que tu avances. Amen. Un sorcier, il est inconscient. Quand il te fait du mal, lui, il dort bien. Bon, la seule partie qui le fait peur, c'est quand il sent qu'il va mourir. Sinon, lui, ben, toi, tu peux lui. Tu as la colère, la haine dans ton cœur, ça, c'est ton problème. Hein? Amen. Lui, il est peinard. Tant que tu ne bouges pas, tu ne voles pas, il dit, oh, un million, celle-là. Alléluia. Donc tu dois comprendre que c'est important pour toi de t'attacher à l'amour de Jésus-Christ, qui est plus grand que tout amour. Alléluia. On t'a menti avec les autres amours. Il n'y a pas d'amour plus que l'amour de Christ. Alléluia. Donc tu dois comprendre que en Romains 13, amen, au verset 9, amen, pour terminer, tu dois comprendre que cette parole, amen, elle est certaine. Alléluia. Il dit quoi? Amen, Romains 13. Est-ce que ça va? Est-ce que le Seigneur nous fait du bien? Dis, je m'attache à l'amour de Jésus-Christ. Je ne suis même pas satisfait de ta parole. Je ne suis pas bien satisfait. La Bible déclare qu'il te sera fait selon ta foi. Si tu pries, tu es en train de parler, comme je te dis, avec quelqu'un sincère, c'est là que Dieu, alléluia, va commencer quelque chose de nouveau avec toi. Alléluia. Amen. En Romains 13, verset 9, il dit ceci. Merci, Père. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne converteras point. Et ce qui peut y avoir, sérieusement dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Alléluia. Que s'attacher à l'amour
Seigneur Jésus-Christ dispose pour toi et moi, c'est de préserver, sauver la vie des autres. Alléluia. Il faut sauver la vie des autres. Amen. Pour les femmes, là, quand un homme te dit je suis marié, tu le repousses même vite fait. Amen. Pas parce que c'est ton genre, tu vas commencer à miroiter, c'est faire des clins d'œil. Non. Prends ton chemin et puis pars. Amen. Il faut penser à son salut. Alléluia. Alléluia. Vous avez des couples, même des camarades qui viennent, ils passent le temps à critiquer. Quand ils commencent, tu dis le chemin, tu lui dis, pardon, je vais garder mon âme. Que Dieu te garde. Amen. Moi, là, on ne critique plus avec moi. Alléluia. C'est important. Tu sauves la vie de la personne. Parce que si tu ne dis pas la vérité que les critiques, tu n'es plus là-dedans, il va continuer. Le premier téléphone, le téléphone favori, là, c'est ton téléphone. Pourquoi c'est ton téléphone? Amen. Tu ne peux pas être le favori de quelqu'un dans les critiques. Dans le commérage. Est-ce que quelqu'un l'a? Oui, tu ne dois pas être dedans. Ta maison, toi et ta femme, tu sais pas moi, tes enfants, mais quoi? Vous ne devez pas être dans le commérage. Vous localisez le défaut des gens. Ah, tu as vu le frère là? Aujourd'hui, il est habillé comme ça. Ah, la scène, mais vraiment. Elle veut dire quoi? Tu as vu comment elle est habillée? Elle veut concurrencer la femme du pasteur? Ou bien, oui, tant, mais c'est pas vrai. Alléluia. Vous dites, je quitte dans ces choses. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux simplement te dire une chose. Alléluia. S'attacher à l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que l'éternel Dieu dispose pour toi et moi, c'est accomplir toute la loi de la parole de l'éternel Dieu. Il faut accomplir toute la loi de la parole de Dieu. Et il dit quoi encore? C'est, amen, c'est de préserver et sauver la vie des autres. Penser à leur salut éternel. Tu es chrétien, lorsque tu préserves ta langue, lorsque tu donnes de l'amour à quelqu'un, l'amour de Jésus-Christ, amen, c'est son salut que tu gagnes. Tu vas gagner quelqu'un. Alléluia. Et pour terminer, s'attacher aussi à l'amour que le Seigneur Jésus-Christ met à la disposition des hommes. C'est préserver soi-même sa vie pour ne pas perdre le salut. Tu dois préserver ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Vous devez préserver votre vie. Oui, tu dois préserver ta vie. Regardez, Jésus-Christ n'a pas reculé. Il s'est donné pour toi et moi. Quelqu'un là? Il s'est donné pour toi et moi. Amen. Donc tu dois comprendre que, amen, tu dois préserver ta vie. Quelqu'un peut élever les mains dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut élever les mains? Merci, Père. Lever les mains et fermer les yeux. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Merci, Père éternel. Quelqu'un peut dire à partir d'aujourd'hui, je vais m'attacher à l'amour que Jésus-Christ me communique. Maintenant, je veux prier pour toi. Saint-Esprit, je prie que tu communiques maintenant l'amour que Jésus-Christ a disposé pour nous. Je prie que tu communiques cet amour à cette femme, à cet homme. Au nom de Jésus-Christ, je prie que maintenant, les œuvres de la méchanceté, à cause des épreuves qu'elle a subies, qu'il a subies maintenant, quitte son cœur, au nom de Jésus-Christ. Et que maintenant, l'amour que Jésus-Christ dispose pour nous, l'amour qui est au-dessus de tout maintenant, vienne dans sa vie. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer l'éternel Dieu? Alléluia.